service public postal, notamment le lien de proximité qu'il y a avec les usagers, parce qu'il faut savoir que ici à la Française, deux tournées ont été supprimées et donc dispatchées sur les autres tournées, ce qui a rallongé considérablement les tournées des facteurs. Et donc ils n'ont plus la possibilité de pouvoir distribuer le courrier dans des conditions convenables. Il faut savoir aussi qu'au lieu de commencer à 7h, ils vont commencer plus tard. Ça veut dire que le courrier aussi va être distribué dans l'après-midi, ce qui ne permettra pas de pouvoir avoir le courrier pour les usagers, notamment le plus tôt possible. Il y a aussi des moyens de remplacement qui fondent comme neige au soleil. Donc il y a la possibilité qu'il y ait des tournées à découvert. Et donc le courrier qui ne serait pas distribué en temps et en heure et 6 jours sur 7 comme la réglementation, les facteurs revendiquent avec la CGT, donc sur le maintien de ces tournées et aussi sur le nombre de moyens de remplacement nécessaires pour que tous les usagers puissent avoir leur courrier en temps et en heure. C'était donc le directeur adjoint, M. Rani, directeur adjoint du périmètre de l'établissement. Donc voilà, qui est venu constater le nombre de grévistes pour ensuite faire un petit rapport. Mais, les usagers peuvent aussi appeler le... Il y a un fameux numéro maintenant, vu que la Poste est en train de tout délocaliser, même les appels pour des réclamations sur le 3831. Mais après, on peut aussi envoyer des courriers sur le Moissac, sur le centre de distribution de Moissac, ou venir réclamer ici à la Française leur courrier. Voilà. Notamment aussi, je voudrais rajouter que quand même les facteurs font grève aussi pour permettre donc d'avoir de meilleures conditions de travail, mais c'est aussi pour garder le lien social, oui, qui est très important pour eux, notamment voilà, pour que tous les usagers puissent avoir un bon service public.